plus proche de vous. Au cœur de votre région. Une région. Une région. Une radio. 100,1. L'invité du jour. Oui, l'invité du jour, il s'agit de Madame Véronique Lefèvre, qui est présidente du SERV. Bonjour, Madame Lefèvre. Bonjour. Alors, toujours aussi dynamique? Ben, en tout cas, peut-être ma personnalité, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, vous voulez nous parler aujourd'hui de la Journée mondiale des enseignants, et ça se fête dans Vaudreuil-Soulanges, n'est-ce pas? Oui, ben alors, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes, le syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil veut rendre hommage à ceux-ci, aux enseignants qui œuvrent dans la commission scolaire des Trois-Lacs, qui font un travail, vous savez, extraordinaire tous les jours, qui accompagnent avec succès les élèves dans le chemin de la réussite. Puis, vous savez, ils font tout ça là en dépit des conditions d'exercice de la profession qui sont pas toujours faciles. Alors, ce soir, nous avons organisé un 5 à 7 en leur honneur pour célébrer ensemble cette journée de reconnaissance. Alors... Oui, quand vous parlez de travail inlassable de la part des professeurs, moi, je peux le dire, je peux le prouver parce que j'ai un membre de ma famille qui est professeur, puis j'en ai eu plusieurs au cours des dernières années, et c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Il faut aimer. C'est une vocation, n'est-ce pas? Ben, si vous voulez l'appeler comme ça, ben oui. Allez-y. Moi, j'appelle ça une profession. Et puis, comme je vous dis... quotidiennement, ce travail-là requiert un professionnalisme, beaucoup de passion pour être en mesure, justement, d'éveiller la passion chez les enfants, puis de les éveiller, puis de leur faire leur apprentissage. Voilà. Alors, vous êtes combien, là, dans votre association, le syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, Mme Lefèvre? Alors, il y a 960 enseignantes et enseignants qui œuvrent dans les écoles primaires et préscolaires là, de Vaudreuil. Écoutez, la Fédération des syndicats de l'enseignement, à laquelle nous sommes affiliés, organise une campagne qui s'appelle « Prof ma fierté ». D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet profmafierté.com. Cette campagne-là, elle vise spécifiquement à valoriser la profession. Puis on est chanceux parce que Pierre Hébert, l'humoriste, a accepté avec enthousiasme de parrainer cette campagne. Alors, quand vous allez sur le site internet, vous pouvez voir la série web dans laquelle des enseignants et des enseignantes présentent leurs bons coups. Puis, il y a toujours une touche humoristique puisque Pierre Hébert participe également à cette série. Alors, Madame Véronique Lefèvre, continuez ce beau travail. Vous êtes professeur depuis combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait 25 ans, ou en tout cas, à peu près. Alors, écoutez, c'est devenu une vocation, là. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'appelle ça ma profession. Beaucoup appellent ça une vocation. Ouais. Mais une chose est certaine, pour être un enseignant, une enseignante, il faut avoir la passion. Puis les gens qui sont là se dévouent corps et âme tous les jours. Alors aujourd'hui, je nous invite tous à reconnaître leur bon travail, puis à reconnaître aussi leur expertise, puis à les écouter sur ce qu'ils ont à dire sur le système de l'éducation, parce qu'après tout, ce sont les premiers acteurs là au quotidien dans les classes. Ben oui, parce qu'on valorise la plupart du temps les joueurs de hockey, les pompiers, les policiers, mais vous jouez un rôle de premier plan, vous, les professeurs. Tout à fait. On transforme des vies, mon cher monsieur. Demandez aux gens autour de vous, puis ils sont capables de vous parler d'un enseignant qui les a touchés, ça j'en suis certaine. Et puis vous comptez pas vos heures, les professeurs, hein? Ah, ben non. On voudrait bien les compter, mais on n'y arrive pas, parce que comme c'est une passion, ben c'est dans n'importe quel métier, quand on est passionné, ben on fait ce qu'il faut. Alors, Madame Véronique Lefèvre, présidente du SERV, continuez ce beau travail et on vous supporte, les professeurs. Moi, j'aime beaucoup les professeurs. Ben, on va vous rappeler, M. Sauvé, puis je vous remercie de l'antenne que vous nous offrez aujourd'hui en cette Journée mondiale des enseignants. Parfait. Alors, bonne journée, Madame Lefèvre. Merci à vous aussi et aux auditeurs également. Madame Véronique Lefèvre, présidente très dynamique du SERV, hein?